Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous partage quelques achats que j'ai effectués donc chez Tati, Nose et Action. Donc hier, avec ma soeur et une de mes amies, on avait une réunion importante. Et avant, on s'est dit, histoire de passer un bon début de journée, qu'on allait aller chez Nose, puisque pour moi, c'était une grande première. J'avais jamais été chez Nose. J'ai trouvé des trucs sympas. Maintenant, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçue. Mais en discutant avec Mélanie, donc de la chaîne Happy Together 17, et certaines d'entre vous, notamment sur Snap, ça dépend des arrivages. Et je suis peut-être pas arrivée, enfin, je suis pas passée un bon jour, on va dire, entre guillemets. Mais néanmoins, j'ai quand même trouvé des trucs sympas, donc je vais vous partager ça de suite. On va commencer par Tati parce que j'ai deux articles à vous présenter. Donc le Tati, on a été donc est situé à Meaux en fait, enfin entre Nanteuil, Marœuil et Meaux en fait pour ceux qui sont de Seine-et-Marne. Il était complètement en chamboulement parce qu'ils étaient en train de restructurer, on va dire, le magasin. J'ai pas trouvé d'articles très intéressants. Après, c'est vrai que quand on est habitué à Action, forcément, on trouve toujours trop cher après. Mais il y avait un grand bac avec plein de produits Je mets Maybelline à 4,99€. Notamment, il y avait les palettes de nude. Il y avait beaucoup de produits teints. Il y avait des anti-cernes, il y avait des rouges à lèvres. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choix. Et moi, j'ai craqué pour deux produits. Donc, pour 4,99€ chaque, je suis hyper contente. Donc, tout d'abord, je me suis repris le fond de teint, donc Dream Wonder Nude. Donc, en teinte numéro 21, donc beige doré. Donc, c'est un fond de teint que je connais déjà. Que j'ai eu, bah, je crois que c'était l'été passé, parce que je vous l'avais présenté dans mes produits terminés. Donc, je suis très contente de pouvoir le re-avoir, même si franchement au produit teint j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est un fond de teint qui est un peu idéal pour le printemps et l'été parce qu'il a une bonne couvrance et pour autant il est extrêmement léger. Donc là je me suis dit pour moins de 5€, bah franchement c'était l'occasion. Et ensuite un produit, j'ai été trop contente, j'ai farfouiné vraiment dans le bac pour le trouver. Donc c'est l'ombre à paupières en fait, enfin l'ombre à paupières crème, c'est la teinte On and On Bronze, pareil que je vous avais présenté dans mes produits terminés. Donc pareil, qui était à 4,99€. C'est une ombre à paupières que j'aime énormément. Enfin, moi je m'en sers des fois uniquement en été tout seul ou en base. Et je l'aime énormément. Et je m'étais dit que bah, à l'occasion, je la rachèterais. Et là, pour 4,99€, et ben c'était la bonne occasion. Donc ensuite, on va passer chez Nose. Donc j'ai pris mon ticket, mais je crois qu'il y a beaucoup de prix qui sont indiqués dessus. Donc tout d'abord, je suis tombée sur ce produit-là. Donc c'est une eau nettoyante hydratante, donc pour bébé en fait, pour nettoyer les fesses de bébé, qui était à 2,01€. Donc ça valait le coup parce que nous, quand on l'achète dans le commerce, c'est plus aux alentours des 3-4€, je dirais. Donc c'est un gros format comme ça. Donc je suis très contente. Donc c'est un 400 ml. J'ai même regretté finalement de ne pas en avoir pris deux. Mais bon, nous on aussi, aussi beaucoup avec Mustella. Donc voilà, je trouve que 2€, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais suivre le ticket, ce sera peut-être plus simple. J'ai pris des chaussettes. Je vais toutes vous les montrer parce qu'en fait, j'ai deux tickets. Donc tout d'abord, j'en avais pris deux paires en fait à la base. Donc j'ai oscillé entre 23, 26 et 27, 30. Donc c'est pour Sohan. Puisqu'en fait, c'était un bac. En fait, donc ce sont des petites chaussettes Tommy Hilfiger. Et c'était marqué 2,99€. Mais c'était dans un bac où c'était inscrit moins 80%. Moi, je ne connaissais pas trop Nose, donc je ne savais pas si c'était bah, prix déjà indiqué moins 80% ou si c'était, comment dire, il y avait une autre réduction en caisse. Donc tout d'abord, j'avais pris deux lots, donc je ne sais plus ce que j'avais pris, mais en tout cas, voilà, là, il y a 23, 26 et 27, 30. Et en fait, en passant en caisse, je me suis aperçue qu'elles sont passées à 60 centimes le duo. Donc franchement, pour des Tommy Hilfiger, je trouvais que ça valait vraiment le coup pour le coup. En plus, ce sont des chaussettes couleur neutre comme ça, donc ça va avec tout. Et pour celles qui, comme moi, ont des problèmes de machine à laver ou des fois, on ne récupère qu'une chaussette sur les deux, là, au moins, il n'y aura plus de soucis. Puisque ce sont toutes les mêmes. Donc du coup j'ai pris je crois 4 paires de chaque. Puisque j'en avais. Je crois j'y suis retournée. Donc j'en avais pris 2 à la base. Et ensuite j'en ai repris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc vous voyez, 60 centimes le duo de paires de chaussettes. Il y en a une qui vient de tomber. Donc en fait j'ai pris 4 en 27. 4 en 23, 26, pardon. Et 4 en 27, 30. Donc c'est-à-dire là actuellement, il met. Donc celle, ça doit être du 19 quelque chose, 19, 23 peut-être. Donc bah, la prochaine fois, je lui ouvrirai donc les 23, 26 et puis je vais mettre les autres de côté. Mais franchement, bon, je vais pas tout vouloir sortir, mais franchement, là pour le coup, je vais pas tout vouloir sortir, mais je sors tout, tu sais. Là. Oh là là, je vais tout tomber en plus. Non, bon. Voilà. Donc il a un stock, j'ai un cheveu, il a un stock de chaussettes, voilà, je suis tranquille pour un long moment, mais franchement je trouvais le prix trop intéressant, donc voilà, je vais en ouvrir 4 prochainement, et les 4 autres je vais lui mettre de côté bah, pour plus tard, et franchement pour les petites Tommy Hilfiger, je trouve que c'était vraiment super intéressant. Ensuite,
j'ai pris, ah oui, un cadre en fait comme ceci. Donc c'est un cadre en fait avec à l'intérieur une petite, je sais pas, c'est une peinture. Non, c'est pas une peinture, c'est un truc un petit peu brillant comme ça, donc sur La Belle et la Bête. Moi, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. J'aime notamment beaucoup les chansons en fait de ce dessin animé-là. Et il était à 1,99€, donc il y avait beaucoup de Le Bossu de Notre-Dame, il y avait beaucoup aussi de Pocahontas, il y avait quelques Rois Lions. Et voilà, franchement, c'est le seul que j'ai trouvé sur le thème La Belle et la Bête. Et j'ai trouvé vraiment trop trop chouette. Et je me suis pour 1,99€. C'est plutôt sympa. Et du coup, j'en ai pris un aussi pour Mélanie de la chaîne Happy Together 17, puisque je lui avais envoyé en photo pour savoir si elle l'avait ou elle l'avait pas. Parce que dans un de ses hauls, pardon, elle en avait présenté. Et elle n'avait pas celui-ci. Donc du coup, je lui ai pris. Donc pareil, à 1,99€, donc avec le pourtour rose. Et donc c'est sur le thème Le Roi Lion. Franchement, ils sont très très jolis. Donc je trouve pareil, ça c'est plutôt une bonne affaire. J'ai déjà perdu mon ticket. Ensuite, j'ai pris une ampoule à 1,50€, donc pour mettre dans une des lampes du salon qui était cramée. Donc c'était l'occasion. Ensuite, j'ai pris comment ça s'appelle, des bougies. Voilà, donc c'était 49 centimes, puisqu'avec mon mari, il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu qu'on était un petit peu en carafe de bougies et compagnie. Donc on s'était dit, bah, si à l'occasion, on tombe sur un petit pack sympa, je prendrai, enfin on prendra lui ou moi. Et donc c'était 49 centimes, donc voilà, c'est des bougies, tout ce qu'il y a de plus classique, mais des fois ça dépanne bien. Donc c'était 49 centimes, je trouve que c'est plutôt correct. Ensuite, j'ai pris pas mal de stylos à 30 centimes. Donc ce sont des stylos sur le thème de Minnie et donc il y a Mickey aussi. Voilà. Donc là c'est Minnie. Pareil, je trouve que pour 30 centimes, parce qu'en général quand vous avez floqué, on va dire du Disney en général, ça monte très très vite. Et donc là ils étaient à 30 centimes pièce, donc j'ai trouvé ça chouette. Donc le deuxième que j'ai pris, donc c'est Mickey. Voilà, donc c'est des stylos Bic assez classiques. Et du coup j'en ai pris d'autres. Qu'est-ce qui fait yoga? Et du coup j'en ai pris d'autres parce que je me suis dit, là d'ici la fin du mois, je vais vous mettre donc un concours en ligne sur ma chaîne, notamment avec les produits que ma mère vous a ramenés des États-Unis. Et du coup je me suis dit que vous mettre un stylo dans l'eau, ça peut être sympa. Donc du coup j'en ai pris 4 autres, comme ça je vais pouvoir en offrir autour de moi. Et puis je vais en mettre 2, donc ce que je pense que je vais faire, enfin c'est même sûr, je vais faire 2 lots, donc du coup j'en glisserai un dans chaque lot, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je me dis Mickey, Mimi, ça plaît toujours. Et puis, si vous avez... Mais qu'est-ce qu'il fait comme bêtise, lui? Si vous avez des enfants, en plus, généralement, ça plaît plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des pansements, en fait, pour ma petite nièce, donc Manon, qui est une grande, grande fan de la Reine des Neiges. Elle est trop mignonne. Et donc, j'ai trouvé cette petite boîte de pansements, en fait, où il y a plein de dessins, donc Reine des Neiges, donc notamment sur... Elsa, Anna et compagnie, Olaf, et donc ils étaient à 95 centimes. D'ailleurs, j'aurais dû les donner à ma soeur pour qu'elle les donne à mon autre soeur, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais lui faire une petite pochette parce que je lui avais pris aussi des crayons et un cahier Action, enfin chez Action pour elle, donc je donnerai ça à l'occasion. Ensuite, j'ai pris des tétines donc, pour Sohan. Donc, c'est des 6-18 mois. Donc, actuellement, Sohan a 18 mois, mais la taille au-dessus paraissait vraiment très très grosse. Et bon, il est pas très. Enfin, une petite bouche quoi, petit cœur. Donc pour la nuit on utilise des tétines de la marque Tex parce qu'elles sont lumineuses en fait. Donc ça nous évite de chercher, quoique maintenant ils se débrouillent. Mais bon, c'est au cas où il y a besoin de chercher la tétine, c'est particulièrement chiant dans la nuit. Donc il y avait sur le foot, mais c'était hors de question, ou le Roi Lion. Donc du coup j'ai préféré prendre le Roi Lion. En plus ça me fera penser à Mélanie quand il les utilisera. Donc voilà, puis Disney ça plaît toujours. Et puis il est tout petit, donc il connaît pas encore le dessin animé Le Roi Lion, lui a pas encore fait découvrir. Mais bon, un de ces quatre on fera ça. Et donc elles sont en silicone et donc elles étaient à 1,99€. Donc je trouvais pour des tétines nues que c'était plutôt appréciable. Donc il était très content, il les a vus hier. Et ensuite je lui ai pris un biberon aussi de la marque Nuc. Donc nous ici on fonctionne avec les biberons de la marque MAM, mais là la tétine est quasiment similaire aux ceux de Nuc en fait, avec, vous savez, la tétine un petit peu aplatie. Pareil, donc j'ai pris en 6-18 mois parce que c'est surtout pour qu'il boive de l'eau, parce qu'il avait un petit biberon mais je sais pas ce qu'il en a fait. Donc voilà. Et pareil, donc c'était sur le Roi Lion. Il n'y avait pas beaucoup de choix, c'était beaucoup de dessins assez féminins. Donc rose, violacé, tout ça. Et là, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y en avait un avec un autre coloris.
Je sais plus ce que c'était, puis j'aimais bien moi la couleur comme ça, un peu neutre. Donc voilà, pour 1,99€, pareil, il l'a vu hier, mais avant, faut que je lui nettoie et que je lui stérilise. Mais il était content. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne mes achats. Donc comme vous voyez, j'ai pas fait de grosses folies, mais d'un côté, j'ai pas fait non plus de grosses trouvailles. Ma sœur, notamment, a pris beaucoup de trucs alimentaires. Elle a pris des boissons. Je crois que c'est plus ses Barbapapa ou... je ne sais plus, mais en tout cas, oui, il y avait beaucoup d'arrivages de produits d'entretien et de produits alimentaires. Donc voilà. Donc on y retournera certainement, puisqu'il y en a un qui va ouvrir sur Nanteuil ou Mareuil, je ne sais plus, à compter du 31 janvier. Donc à l'occasion, on ira peut-être faire un tour avec mon mari, voir selon les arrivages s'il y a des trucs plus ou moins sympas. Mais voilà, je suis contente d'avoir pu y aller, même si je trouve que j'ai pas trouvé des trucs de dingue. Mais bon, c'était quand même très très sympa. Très, tout est très. Voilà, ensuite on est passé chez Action. Donc on a fait deux actions différentes. Donc on a fait celui de Coulommiers, hein, puisqu'on a été aux noces de Coulommiers. Et ensuite on est passé vite fait à celui de Nanteuil ou Mareuil, je confonds tout le temps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, je vais suivre le ticket, ce sera mieux. Donc tout d'abord, ça c'est le côté pratique, j'ai repris deux adoucissants comme ça pour le linge de la marque Silan, je sais jamais comment ça se prononce. Donc ils sont à 2,49€ pour 1 litre à chaque fois. Franchement, ils sont très bien, ils sont beaucoup moins chers que les Lenor et compagnie. Ils adoucissent bien le linge, ils sentent bon, donc voilà. Donc quand je vais chez Action, j'y pense, là on n'avait plus de soupine, donc c'est pour ça que j'y ai pensé. Mais c'est vrai que franchement, les adoucissants, ça vaut le coup. Ensuite, pareil, ça je vous présente ça assez régulièrement sur ma chaîne, puisque j'ai repris trois bougies comme ceci. Donc hop, pour mettre dans mes lanternes, donc un peu senteur vanillée. Donc j'en ai pris trois parce que j'en avais une encore en stock, donc pour mes deux grosses lanternes qui sont dans le salon, parce que là j'en avais plus du tout. Je pense qu'on a oublié un soir de l'éteindre, donc du coup ben, ça a continué, et au bout de deux jours il n'y avait plus de bougies, donc voilà. Mais elles sont très bien et elles sont à 1,49€ chaque, et normalement nous, ça nous fait une bonne semaine, sauf évidemment quand on oublie de les éteindre, mais bon, ça arrive hein. Ensuite, j'ai pris pareil deux gros sachets, donc ils sont à 2,99€, de Luminon. Voilà, parce que nous ici, on brûle aussi beaucoup de tartelettes Yankee Candle. Donc à l'intérieur, il y en a 75. Et donc celui-là est déjà ouvert, puisque j'en ai piqué trois hier dedans. Mais ça, c'est pareil, j'avais noté sur ma liste à en reprendre. Voilà, c'est vrai que nous, un gros sachet, ça nous fait quand même un long moment, mais j'ai préféré en prendre deux, comme ça je suis tranquille. Et donc on met ça dans les brûleurs pour les tartelettes Yankee Candle. Ensuite, j'ai pris un 7-Up à la cerise parce que j'avais soif. Ensuite, pour Ilan, parce que donc je vous avais dit au mois de décembre qu'il fallait que je refasse complètement la trousse de Ilan. Et là, la maîtresse, il n'y a pas longtemps, nous a mis un mot en disant, en gros, veuillez vérifier le matériel d'Ilan. Donc on n'a pas compris, surtout qu'on n'a pas la trousse, hein, on ne peut pas vérifier. Donc bref, un matin je suis rentrée à l'école pour voir un petit peu ce qui manquait, et je lui ai expliqué que je ne comprenais pas parce qu'on avait tout refait. Bref, donc du coup il lui manquait crayon de papier, il lui manquait de la colle, bon la colle c'est normal. Et le troisième, ah oui c'est des feutres Velleda. Donc du coup j'avais en stock, donc j'ai tout remis encore une fois dans son cartable, et elle m'a dit il a quasiment plus de crayon de couleur. Donc, je sais pas ce qu'il en fait, il est bouffe, j'en sais rien, je comprends pas. Donc du coup j'avais dit à mon mari, bah quand je repasserai chez Action, je reprendrai, parce que bah faut bien qu'il ait des crayons de couleur. Même si la maîtresse m'a dit qu'il pouvait utiliser ceux de la classe, hein, on dit qu'il n'ait pas ses propres affaires. Donc j'ai pris deux lots de crayons de couleur Bic qui sont à 1,49€. Donc j'en ai pris deux. Donc je vais lui en mettre un dans son cartable et puis un qu'on va garder précieusement à la maison, en espérant que d'ici la fin de l'année, bah, la boîte dure toute la fin de l'année, parce que franchement, je comprends pas quoi. Donc voilà, ils sont beaucoup moins chers à Action, c'est pour ça que je les prends à Action, mais je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos enfants, si ça se passe bien. Nous, il est en CP et franchement, c'est un peu la catastrophe, quoi. Et pour finir, pour Ilan, je lui ai pris un meuble à 12,99€. Donc c'est un meuble en plastique. Si
Si je pense, j'essaierai de vous mettre une photo, mais sinon vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. C'est un meuble en plastique, tout simplement, avec trois tiroirs en plastique, parce qu'il en avait deux, donc un Cars et un autre qui était dans les tons bleus. Et je pense qu'il a voulu un jour regarder par la fenêtre, il a dû grimper dessus, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il avait complètement démonté. Donc on s'était dit avec mon mari, bah, si un jour on en trouve un pas trop cher, on rachètera. Et là, je l'ai appelé, il m'a dit 12,99, c'est ouais, c'est pas mal. Donc du coup, je lui ai pris, et il est tout simple, il est noir, donc avec trois grands tiroirs. Et c'est pour les Lego, parce que si vous avez des enfants qui aiment les Lego, vous comprenez tout de suite de quoi on parle. Les Lego, c'est super sympa, mais à ranger, c'est une vraie misère. Donc voilà, voilà. Ensuite, dans le second action, donc je me suis pris tout d'abord un coussin comme ça pour la baignoire en forme de cœur. Donc, vous savez, c'est pour poser la tête quand on fait un bain. Donc, il était à 2,99€. Il existait en bleu et en rose. J'ai pris bleu parce que même si mon mari prend rarement des bains, ça lui arrive de temps en temps. Je me suis dit que voilà, si vous voulez utiliser le coussin, bon, même si rose, il s'en fout un peu. Mais enfin, bon, voilà, bleu, ça convient à tout le monde. Donc voilà. Donc c'était 2,99€, donc je trouve ça plutôt sympa. Après à tester, à voir si ça tient bien sur le rebord de la baignoire, ça évite de se casser la nuque. Ensuite, donc du coup, bah, toujours pour monsieur Ilan, n'est-ce pas, j'ai pris du coup de l'eau de... Donc de l'eau de feutre en fait pour bah justement ardoise, hein, puisque bah, je lui ai donné les deux que j'avais en stock. J'avais pas envie de racheter les Velleda parce que les Velleda je crois que je les avais payé 2,40€, donc si à chaque fois il est paume, je vous raconte pas la facture à la fin. Quoique là c'est quand même 1,39€, mais bon c'est 1,39€ les deux, donc du coup j'ai pris deux packs. Un qu'on va garder à la maison, enfin pour l'instant on va garder les deux parce que je crois que... Bah non, je lui ai donné récemment les deux Velleda. Donc je vais les garder à la maison, donc c'est au cas où il oublie ses feutres pour qu'on puisse travailler sur ardoise. Et puis si on a besoin au cours de l'année, bah voilà, je lui redonnerai deux. Donc il n'y avait que noir, mais après j'ai envie de vous dire bleu ou noir. Hein. On va pas jouer sur les détails parce que ça commence à facturer ces bêtises-là. Donc voilà, donc c'est quand même beaucoup moins cher, c'est 1€ de moins que les Velleda. C'est quand même pas rien. Ensuite, je me suis pris un dissolvant parce que j'avais plus de dissolvant. Donc, c'est un dissolvant sans acétone qui était à 1,59€. D'habitude, je prends celui qui est en bouteille qui est moins cher à 99 centimes. Mais là, ce qui est bien, en fait, vous savez, vous avez le... Vous mettez le coton, vous pressez, le produit, il sort. Donc, je me suis dit que ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Après, comme tous les dissolvants, ça a tendance un peu à sécher les ongles. C'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater. Mais voilà, j'avais plus de dissolvant, donc c'est très bien. Ensuite, alors ça c'est, j'ai pensé à ma copine Soumia, donc de la chaîne Souclem, parce qu'il n'y a pas longtemps elle a fait une vidéo au le petit prix en fait, petit budget, donc notamment Action, je sais plus, AliExpress, en bref, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et en fait elle parlait du dissolvant, du démaquillant pour les yeux biphasés de chez Action qu'elle trouvait très très bien. Donc c'est un format 150 ml et il était à 1,69€. Donc je fais entièrement confiance à Soumia. Donc moi habituellement je prends celui de Emma qui est à 1,75€ si je dis pas de bêtises. Au niveau de la contenance, je sais plus si c'est un 150 ou un 250 par contre. Là je viens d'avoir un flash parce que si c'est un 250, le Emma niveau rapport quantité-prix est plus intéressant. Par contre, si c'est un 150 aussi, le Action est plus intéressant. Bref, j'essaierai de vous donner l'info peut-être en barre d'infos. Je vous en reparlerai à l'occasion. Mais en tout cas, du coup, elle m'a donné envie de le tester. Et comme j'avais plus de démaquillant pour les yeux, bah, c'était l'occasion. Puis moi, chez Emma, on n'y va pas non plus tous les 4 matins. C'est situé au Val d'Europe et c'est pas le centre commercial de prédilection. Donc quand on y passe, j'en prends un ou deux parce qu'effectivement ça coûte beaucoup moins cher. Dans le commerce, c'est environ 3 ou 4€. Donc voilà, je préfère payer un 75, mais voilà, là c'était l'occasion. Ensuite, j'ai repris donc deux petites brossettes pour ma brosse à dents électrique parce que j'en ai déjà entamé le paquet, donc j'en ai déjà mis une. Et là, je vois qu'il va falloir que je change déjà la première parce que je comprenais pas que la brosse s'abîme aussi vite. Mais finalement, ce matin, j'ai chopé Sohan avec ma brosse à dents dans la bouche. Donc je pense qu'il a croque et du coup, il m'a éclaté un peu les poils, quoi. Donc du coup, je vais en changer. Donc j'ai repris et je vais essayer de mettre ma brosse à dents plus en retrait pour pas qu'il puisse l'attraper. Et donc c'est 6,95€ les deux brossettes, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que dans le commerce. Donc voilà, donc je suis très contente. Et voilà, donc ça m'en fait deux d'avance, plus celle que je vais changer
prochainement. Et pour finir, donc pareil, je vous montre juste l'emballage puisqu'on déjà, on a déjà installé. Donc mon mari voulait que je trouve un petit tapis pour yoga, en fait, pour poser ces deux gamelles, donc eau et nourriture. Et j'ai tombé sur un petit tapis comme ceci. Donc parce qu'au début, j'avais trouvé un espèce de tapis un peu paillasson, mais c'est vrai qu'il faisait très très grand. Et puis dans le rayon animaux, je suis tombée là-dessus. Donc il y avait rose, beige ou bleu. Donc j'ai pris bleu, c'est un joli bleu électrique. Sauf que j'ai remarqué encore ce matin qu'il déplace un peu le tapis, il doit s'éclater avec. Et ça, c'était 1,49€. Donc voilà, donc j'espère qu'avec le temps, parce que là il est encore très jeune, donc du coup il s'éclate avec un rien. Voilà, ça permet de faire un petit coin et puis à nettoyer, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mon haul, donc Tati Nose Action. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait il me manquait un thé, donc du coup j'ai créé avec un petit morceau de papier et j'ai coloraillé. Il faut que j'achète ce que je dis à mon mari, il faudrait qu'à l'occasion je me trouve des sets de lettres supplémentaires. Et puis j'essaierai bien aussi de trouver des petits symboles, notamment j'espérais trouver chez Nose. Mais il n'y en avait pas, donc c'est ainsi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez quand est-ce qu'il y a les arrivages chez Nose, parce que nous, on tombait sur une petite caissière qui débutait, donc du coup, elle ne savait pas trop et puis on n'avait pas trop envie de l'embêter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez cette information-là. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. Ciao !